Coucou, c'est Zuri, la chef de Sana Marseille, et aujourd'hui je vous propose une recette de Malabar Paratha. Pour le cochimbir, qui est une salsa ou une salade de Maharashtra dans le sud-ouest de l'Inde, il nous faut un oignon rouge, 3 piments, 3 belles tomates, 2 citrons, un poignet d'herbe. Ici j'utilise de l'origan que j'ai trouvé à l'épicerie Bézin. Et des pois chiches germés. Ici, c'est les pois chiches indiennes. Ils s'appellent Kabuli Chana. Et je les fais germer une semaine. Pour les parathas, les malabar ou koel paratha, qui sont une spécialité de la sud-ouest de l'Inde, surtout à Kerala, il nous faut 25 ml du lait, ça peut être un lait végétal, 95 ml de l'eau, 7 g de sucre, 3 g du sel et 250 g de farine tout usage. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment mettre beaucoup, bien citronné, et comme ça, les pois chiches sont un peu cuits dans le citron. L'origan, je ne vais pas la hacher, en fait, je vais juste enlever les feuilles. Les tomates. Et là, on va commencer les parathas. Du coup, ça, c'est un pâte que j'ai laissé hydrater une heure, un peu plus. Et l'idée, c'est de l'étaler très, très fin. On va dire que c'est bon comme ça. Juste d'étaler. Et là, c'est là où j'adapte un peu cette recette. J'ai mis un peu du zaatar. Je pense que ça, c'est le fin d'un zaatar ramené direct du Palestine, qui est très précieux et bientôt fini. Et le goût est incroyable. Et du coup là, bien saupoudré de zaatar, mais ça peut être n'importe quelle épice. Voilà. Cool. Et on prend le premier. On l'a aplati. Là, j'utilise de l'huile d'olive, mais ça peut facilement être du ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié, du beurre fondu, ou huile de tournesol désodorisée et bio et de bonne qualité. Voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment de les bien aplatir. On va les frire maintenant. Alors, là, on est dans le bateau. J'ai chauffé un poêle avec un peu d'huile et une fois que c'est bien chaud, je l'ai aplati un peu avec mes mains. Moi j'utilise mes mains, mais il y a toujours un risque de se brûler, du coup soit avec une cuillère en bois, juste pour un peu délicatement pousser l'air. Voilà, je pense que celle-là elle est bien. Voilà. Et voilà, là on a les Malabar Paratha, c'est une petite galette feuilletée, ou roulée plutôt. C'est servi avec un cochimbir et bon appétit. Tu veux goûter?